La colombe de l'année dernière. Eh oui, eh oui. Elle nous apporte le bonheur. J'espère que cette année, là, ce sera pareil. Je suis adjoint aux affaires sociales de la ville de Noyal et à ce titre, j'organise le Téléthon. J'en suis leur coordinateur depuis 1996, date à laquelle nous avons commencé. Alors ce soir, la manifestation la plus importante dans le centre-ville, ça va être la parade de lumière. Les quartiers se sont mobilisés. Il y a 9 quartiers ou entreprises qui ont préparé des chars de lumière qui vont défiler. Et la particularité, c'est que ces chars, après cette parade, iront rejoindre leur quartier pour les fêtes de fin d'année. 61. En ce moment, se déroule à l'auto géant, où il y a sûrement, d'après ce que j'ai appris tout à l'heure, plus de 1000 personnes présentes, quoi, entre 12 et 1300. Donc je crois que c'est très important et ça amène des gens qui sont de tout le département, voire au-delà.